des gros délinquants. C'est pire qu'avant. Hein. Alors qu'ils étaient assez réinstables. Bon Bruno, le matin c'est bon. Voilà. Je devrais péter ou je sais pas. On va voir. Hein. Le but maintenant c'est tous les week-ends je fais une kiss. Et l'objectif c'est de savoir à quel endroit je vais péter. Parce que bon là il y a quand même des mecs, j'ai regardé sur leur Strava. Y'en a c'est pas des mauvais quand même. Y'en a c'est pas des fakes. Putain, hein. Y'a Polo, je connais pas, mais il y a Rouquette aussi, un français. Bon, s'il y a des français, ça me motive un peu, tu vois. Allez, 57 secondes. Le but, c'est de péter le plus loin possible. Parce que bon, il y a quand même des clients, les mecs. Hein. Il y a la femme de Guérard. Oh putain, non, pas elle. Bon, je me mets derrière elle. Hein. Elle est là. Elle a bien choisi Nathan. Ben, elle a pris le meilleur. Hein. Eh. C'est comme, comment elle s'appelle, Rousse. Elle a pris à la Philippe. Hein. Eh, qu'est-ce que tu veux. C'est la classe. Je le connais ce parcours, mais je sais plus lequel c'est. Je crois savoir lequel c'est, ça va. Il y a de la bosse quand même, il y a des trucs à la con. Hein. Donc, allez. Là, les gars, à mon âge, on se concentre. Hein. Allez. J'ai pas de cardio, je serai pas classé, mais ça va. Les vitesses passent bien, c'est bon. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Bon ça va là. Si on fait tout comme ça, ça ira. Mais bon voilà quoi. Ces enculés ils vont attaquer. Ah ouais, je connais le parcours, c'est bon. J'ai le parcours en tête, là. Je le connais. Ça va.
en chier sur le plat. Il y a une partie là où j'en chie à chaque fois. Allez, on prend les roues. Et on se repose. Bon, les vitesses passent bien, le vélo est souple, impeccable. Voilà, voilà. Bon, pour l'instant, ça va. Eh, les Gaëtans, pour l'instant, je fais mumuse. Mais bientôt, ça va. Ils vont envoyer les mecs. Pour l'instant, c'est le warm-up. On s'échauffe. J'échauffe les mollets, j'échauffe les ischios, j'échauffe les quadriques. Il y aura après, je sais pas où je vais péter, hein. On verra. Bon, j'ai essayé de retrouver mon cardio, okay, hein. Je sais pas où je l'ai foutu. Et voilà quoi. Non, le poids, les algorithmes, voilà quoi. Bon là je suis avec le fixe, donc la descente, je la ressens vachement mieux. Là je... Pouf, j'enroule là, c'est impeccable. Pouf, là c'est... Oh, c'est du cadeau là. Mais après il y a une partie là où je la connais. S'ils enclenchent, je vais avoir mal. Hein. Après le petit village. Là. Tu vas voir le petit village. S'ils enclenchent là les mecs, je vais un peu souffrir quand même là. C'est retentless là les mecs là. Alors eux je raconte pas. Eux ça va être des... ça va être des furieux tout à l'heure. J'ai jamais gagné un sprint sur Zwift moi. J'ai jamais gagné. Au contraire, je me prends de ces valises. Thank you.
sais où ça va attaquer. Je connais le parcours de par cœur. Je sais où ça va attaquer. À partir de là, j'en chie des fois. Ah, je sais pas de quoi vous parlez les gars. Honnêtement, je sais pas de quoi vous parlez. PD, machin. Je connais pas tout ça. Je connais pas. Je connais pas tout ça. Ah, je sais pas. Comme je suis avec le fixe, c'est déjà plus facile. Donc je sais pas trop. Ah, le pack de dynamique. D'accord, ok, je comprends. Ok, ouais, mais je... J'appuie comme d'habitude. Hein. J'ai jamais ressenti quoi que ce soit, moi, dans les mises à jour. Jamais. Donc, je suis pas un bon client, moi, là-dessus. Techniquement, je suis nul. J'ai jamais rien pigé. Ouais, j'en chie, mais c'est sur les cocos, sur les pace qui vont plus vite que ça. Là, on va pas vite, là. Ouais, mais là, on va vraiment pas vite. Hein. Là, c'est... Ah non, mais là, on est hyper tranquille, là. On est sur du Maria, là. Du 2,5 watts. Hein. Voilà, faut... Mais sur les pace, là aussi, les... Le draft est différent d'un pace à l'autre. Donc voilà. Ah ben j'en chie plus sur Maria que là. Là j'ai peur. Là je commence à me... Je me dis qu'à quel moment ils vont me foutre la fessée. Ça me fait chier quoi. Bon. Plus longtemps je tiens, mieux c'est. Ça fait de la distance. Tu parles, ça, mais ça m'étonnerait. Après, j'arrive pas à me motiver moi sur les compétitions de race de Zwift. J'arrive pas, franchement. J'y arrive pas à être motivé. Moi, j'aime bien le voir les mecs là, tu vois. Ça me je me force un peu, pas voilà. Je sais que derrière il y a des mecs qui voilà, pas clair. Donc ça me gonfle un peu, j'y pense pas. Tu vois le truc. Bon, il y aura de la bugne après un peu là. Ouais, faut pas, je pense pas à ça, ouais. Il va y avoir de la bugne après. Là.
faut arriver frais là. Elles sont pas longues, mais elles font mal. Elles sont pas très. Elles sont courtes. Pas très pentues. Mais voilà. Non, ça va attaquer dans les bugnes là. Dans les trucs, je sais où c'est, où ça va attaquer. Ça va faire mal. Là, il va y avoir un groupe qui va se faire bientôt. Je vais essayer de tenir. Ouais, c'est ça, ouais, je pense. J'ai des petits trucs à manger là. C'est de la purée de marron. Allez, c'est là où ça va commencer les gars. Concentration. Voilà, tu vois. Ah. Oh là ça va, c'est impeccable. Là c'est impeccable. Là tranquille. Honnêtement je force pas beaucoup là. Ça va. Ben, le fixe c'est pas le rouleau. Hein. J'ai des périodes pour me reposer comme ça.
Comme là, par exemple. Le rouleau, tu peux pas. Non, c'est les changements de rythme qui me tuent, moi. J'ai pas le cœur pour ça. C'est fini. Donc je lisse, là. Tu vois? Je lisse, je mouline pour évacuer au maximum. Voilà quoi, tu vois. Il y a des buts là. Bientôt il y a des buts. Concentration. Faut pas laisser partir. Ouais. Fait chier le diépois là, il accélère.
Ça va attaquer là. Il va y avoir des dégâts là. Thank you.
60. Putain. J'en chie dans les descentes. Allez, descente, c'est mortel. On repose dans les montées maintenant. Oh putain. C'est pas possible. Il y a un truc qui cloche. Allez, descends, c'est pas possible. J'en chie trop. Pas de dynamique, mon cul. Laisse tomber, c'est de la merde, ça sert à rien. Putain, j'en chie hein, dans les descentes. Putain, je suis à deux doigts d'arrêter dans les descentes, tellement que j'en chie. À quatre doigts, tu pousses comme un malade. Thank you.
pas qu'ils accélèrent dans les descentes, quoi. Sinon, là, ils vont me lâcher. Thank you.
laisse tomber. Ça n'existe pas, ça. Faut appuyer. Mal la bosse. Elle m'a fait mal. De toute façon, je tiendrai pas jusqu'au bout. Hein. Là, les descentes là-bas, ça va craquer. Je vais craquer dans une descente. On va aller jusqu'au bout, hein. Mais bon. Au bout du bout. Je sens les jambes, cette semaine j'ai un peu failleté, je les sens. Là j'en serai presque à 35 heures, donc je le sens. On sent que les jambes sont fatiguées quoi. Allez. La montée, ils vont pas très vite au début. Et ces enculés, ils accélèrent à la fin. Et là, ça me fait mal. Moi. Ah, j'ai les jambes fatiguées les gars, mais bon c'est pas grave. C'est pour ça que je fais celle-là le dimanche après une semaine d'entraînement à raison de 5-6 heures par jour pour arriver justement sur un rythme et quelque chose qui envoie, tu vois, pour me faire du bien. Comme ça je me termine la semaine. Les descentes m'ont tué là. Je suis arrivé au pied de la montée là. Ça m'a tué cette putain de descente là. La deuxième partie me fait très mal. Les descentes, ça me tue. Je parais pas comme ça, mais je suis à bloc dans les descentes. Là, tu vois là.
Bon, faut se dire que plus ça va aller, plus ils vont être fatigués aussi. Hein. Donc voilà quoi. Pas où je vais péter, mais je vais péter. Je le sens. Dans les descentes, à mon avis. Ou dans la montée, là. Vers la fin, j'ai coincé tout à l'heure. J'ai coincé un peu. Ils accéléraient à 7 watts, là. C'est chaud. Tu montes à 5, 6. 7 watts. Tu finis. Bah, je me retrouve seul quoi. Putain, si je me retrouve seul comme un con là. Et ça me fait du bien le rythme. Ça fait toujours du bien. Un rythme là.
Ah, je peux pas dans les descentes. Je peux pas dans les descentes, je peux pas suivre. Allez. Putain, les descentes. Je suis mort à une descente. Je peux pas. 5-6 watts. Je peux pas. Dans les descentes. Calmez-vous dans les descentes, merde. Putain. Ils le savent, ces enculés là. Que dans les descentes, il y en a qui rament. Y'a les B avec nous ou pas là? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Faire plaisir dans les descentes. Il faut faire ça. Les enculés, là ils descendent. Ouh.
pique que dans les descentes. Ah putain. Ah, les descentes, ça me tue. Faut pas que je me lasse. Faut que je reste devant. Putain, les mecs, ils ont de la cuisse. Hein. Dans les descentes. Ah oui. Ah. Et après il y a une descente, tu paries?
la descente. Je peux pas la descente. Ah, je peux pas. La descente, je peux pas. Je peux pas la descente. Ils vont trop vite en descente. Je peux pas. Je peux pas les suivre. En descente, c'est pas possible. Je peux pas. Je peux pas les suivre. Je peux pas les suivre en descente. Je peux pas les suivre. C'est pas possible en descente. J'y arrive pas. Descente, je peux pas. J'y arrive pas en descente. Je me tue en descente. Non, fait chier, ça fait chier. Je peux pas la descente. Je peux pas. La descente, je peux pas, j'en chie trop. Je peux pas les suivre en descente. En montée, ça va, c'est bon. Mais en descente, c'est pas possible. En descente, j'en chie trop là, c'est pas possible. Je peux pas. Bon, mais on verra la semaine prochaine ce que c'est, si c'est de la montée. Je peux pas. La descente, c'est pas possible. Je peux pas la descente. Ils vont trop vite en descente, je peux pas. C'est impossible, je peux pas envoyer. Faut que j'envoie 5-6 watts en descente. Eux, ils sont à 4,5, 5. Je peux pas, je peux pas. La descente, je peux pas. En montée, je peux, en descente, je peux pas les suivre. Non, je peux pas les suivre, c'est pas possible. Je peux pas les suivre. Je sais pas comment on fait, mais je peux pas. Toujours le problème de la descente, je peux pas. Je me fais toujours lâcher dans les descentes. Je peux pas. Bon, c'est pas grave, hein. On fait le maximum en tout cas, et puis voilà. Ils m'ont eu dans les descentes. Je peux rien, c'est comme ça. Bon, allez. Ah, faut pas qu'il y ait trop de descente, quoi. Là, c'est... Je peux pas, putain. Je peux pas, je suis à bloc. Et dans les descentes, je suis en sprint, je suis au maximum du maximum. Je peux pas. Je devrais avoir le cardio à 190, là. Autant dans les montées, je gère. S'il y a une attaque, je peux répondre. Autant dans les descentes, je suis au taquet, taquet, taquet. J'ai rien, j'ai aucune marge. Ouais, mais j'ai les jambes, oui, mais pas dans les descentes, je peux pas les descentes. Ils me fusillent, les mecs, je peux pas, ils ont trop de watts. Et voilà. Puis en plus, c'est des malins. C'est des gros malins. Parce qu'ils savent très bien qu'il y en a dans les descentes qui mangent. Et ils le font exprès. Hein. Vous avez vu, ils attaquent avant les descentes pour aborder les montées tranquillou. Comme ça, ils t'ont flingué. Ah, ils sont malins, hein. Ils sont malins. Ah, ils sont malins. Ils sont malins. Bon, mais tous les dimanches, de toute façon, je m'y colle. À force, ça va rentrer. Ça fait progresser, de toute façon. Pour progresser, il faut en faire. Donc, il y a une seule solution. Pour ça que la semaine dernière, je n'avais pas eu de problème de pédalier. Le derrière, ça a été bien. Les bosses, là, je l'ai passé tranquille. Les descentes, elles étaient courtes. Mais là, les descentes, les gars, elles sont costauds. Hein. Puis, vous avez vu comment ils attaquent dans les descentes? C'est des descentes 2-3%. Les mecs, ils doivent avoir des cuisses, des vérins, je te raconte pas. Ils t'envoient les watts, les mecs. Ils le savent, hein. Ils sont malins. Hein. C'est un jeu qui est malin, hein. Attention. Il hein. N'y a pas que les... Ils ont les jambes, mais ils ont la cervelle, ces enculés. Ils réfléchissent à ce qu'ils font. Tu m'étonnes. Non, je craque dans les descentes, je peux pas, j'ai du mal. J'ai du mal à descendre. Là, je peux pas. Là, j'ai pas pu relancer, je peux pas relancer. Hop, 1, 2, 3%, c'est fini. Là, ils allaient me lâcher, là.